Je vais mettre ça sur ma planche et on va découper les feuilletés. Alors, généralement, les bouts ne sont pas très jolis, soyons honnêtes. Mais en même temps, ça permet à la cuisinière, quand les feuilletés sortent du four, d'avoir ces petits feuilletés perso avant de les présenter à tout le monde. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Et alors maintenant, on va essayer de faire vite parce qu'il fait très très chaud dans la cuisine. On va découper des feuilletés d'à peu près 7 mm à 1 cm d'épaisseur. Alors personnellement, j'aime bien avoir des gros feuilletés. Je suis comme ça. J'aime bien quand plein à manger, mais tu peux en faire des plus fins aussi si tu le souhaites. Il faudra juste adapter le temps de cuisson. Hop ! Donc tu vois, il y a déjà la forme dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pas de panique, hein. S'il se déforme un tout petit peu, c'est pas très grave parce qu'en fait, pendant la cuisson, eh bien, ça va gonfler, ça va reprendre sa forme initiale. Alors, est-ce qu'on peut manger les feuilletés?